Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous débutons à Bari, juste devant la basilique. Allez, c'est parti. Exceptionnel, très très sympa ces petites rues. Et là, c'est la cathédrale de Bari. Alors le château avec le ciel bleu de retour, magnifique. Ça c'est beau, et les antennes c'est moins beau. Des bonnes pâtes de toutes les couleurs. Magnifique, hein, toutes les couleurs comme ça. Là. Toutes sortes de pâtes. Et chapeau. Et des pâtes. Chapeau, chapeau. Et le bar qui arrive. Le linge est tendu au balcon. Et nous, on a l'odeur de la lessive. Ouais, c'est vraiment sympa de se balader dans sa ruelle. Ah, c'est sympa. C'est sympa de se balader dans sa ruelle. Et toujours du linge au balcon. Avec la musique. Quelques vestiges des colonnes. Alors, sympa la balade. Oui, sympa la balade. Petite ruelle, flâner dans les petites ruelles, c'est agréable. Ouais. Et on est à l'ombre. Oui. On va faire la pause. Sur ce joli banc, c'est le ballon, la couleur. En musique, s'il vous plaît. Voilà, c'est la fête. Peu de gaieté dans les rues avec la musique, ça fait du bien. Très très joli. Ouais, magnifico. De toute beauté ce théâtre. Et voilà, sur le klaxon. Ouais. Alors les Italiens s'expriment avec les mains, mais aussi avec le klaxon. Allez, de retour sur la route. On va essayer de trouver un petit spot pour ce midi, pour manger. Et la route, elle est toujours en aussi bon état. Elle est laborieuse, comme d'habitude. Il y a des raccords un peu partout. Il faut faire
avec. Voilà, c'est pas le pire. Toujours sur la route. Ça tourne et ça retourne. J'aime bien prendre les petits axes. Bon, ben là, on est servi. Alors, on a trouvé un petit chemin là, mais là. Ouais, de mon côté, moi ça va. Vas-y, ça descend, c'est bon. Il y a un portail, c'est privé. Ah ouais. Oh bah, il a l'air d'être abandonné ce portail. Voilà. Il va. On ne sait pas trop où on va. Et voilà. Pour le déjeuner. Oh, toujours aussi propre. Papiers, on est face à la mer, mais bon. C'est démoralisant, tous ces déchets. Il y en a partout. Partout, partout. Ouais, la Grèce, la Turquie, on avait vu que c'était pas très propre, il y a des endroits, mais là, l'Italie et le réseau routier, bah franchement, en Turquie, il est meilleur qu'en Italie. Les routes fissurées ici, et comme vous pouvez le voir, le M de Himmer, il s'est barré avec toute cette trépidation sur la route. Allez, on quitte notre spot. Bien mangé? Oui, bah oui, on était bien mangé face à la mer, c'était génial. On va en route. Joli parking avec quoi? Salon. C'est dégueulasse. Ouais, franchement, quand on voit ça, ça donne pas très envie, quoi. Allez, on file. Tout n'est pas négatif. La route, là, pour une fois, elle est propre et fleurie. Est-ce que c'est le long de la route? Le petit tas de cailloux. Ça y est, stationné à Polignano. Et voilà, superbe endroit, la plage. Coucou les amis, nouvelle journée à Polignano. Et on a passé la nuit ici. Elle est pas belle la vie. Des spots comme ça, on en rêve. Allez, on va aller se promener dans la ville. Bien aménagé. Et voilà, le soleil se lève. Magnifique. Et en plus, passer la nuit à côté d'un beau site comme ça, c'est formidable. Ouais, ça chauffe déjà là. Ça chauffe déjà ce matin. Ouais, vraiment, vraiment jolie la côte. Petite séance balançoire ce matin. Alors, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six balançoires. Pas mal. Excellent. Endroit magnifique. Village au bord des falaises. Alors les bateaux qui amènent les touristes pour voir les grottes. Bon, nous on les voit très bien d'ici. Hein. Il y a même du monde là-bas, j'ai l'impression que tu peux rentrer. C'est une côte magnifique. Déjà du monde ce matin, un petit peu quoi. Allez, on va essayer d'aller voir les grottes par là. Oh, c'est joli le plafond là. C'est pas beau. Magnifique. Bon, bah, direction la mer. Ouais, c'est l'accès à la mer. Alors, des bateaux, il y en a. Ils viennent voir les grottes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et voilà, les gens font déjà la bronzette ce matin.
Et la mariée qu'elle a. Ouais, elle est vraiment superbe cette côte. On le dit, on le redit, mais c'est vraiment magnifique. Et la mariée qui nous quitte. On enlève nos chaussures. C'est parti. Ça fait du bien, l'eau est fraîche. Elle est fraîche, elle est bien. Ouais, elle est fraîche, elle n'est pas si froide que ça. La sortie du tunnel. Et voilà, tout en bas. Le retour. Par contre, il faut faire gaffe parce que c'est très très glissant la pierre. J'ai failli tomber. Allez. Même qu'on est en ville, ici, il faut prendre des chaussures de rando. C'est bon, hein? Ouais. Ouais, pour l'instant, on en prend plein les yeux. Très très belle vue. Ouais, et en bas, le chemin que nous avons emprunté tout à l'heure. Allez, à l'assaut de la ville. On va vous montrer ça. C'est une ville très très touristique. Et en plus, c'est propre. C'est pas mal. Magnifique, donc. Il est beau. C'est beau. Très beau. Et en musique. C'est vraiment très très beau. Que de beaux endroits. On kiffe, magnifique. Ils sont beaux, hein, les cocos. Un pot de fleurs à l'envers et un pot de fleurs à l'endroit. Et un peu de savoir-faire. Et il y en a partout. De la vigne dans les rues. Des peintures fleuries. Des vraies fleurs. C'est pas un bougainvillier, ça? Christine a dit que c'était un bougainvillier. Alors si c'est un bougainvillier, oui. C'est un bougainvillier. C'est un plaisir de déambuler dans ces rues. Bon, les bateaux amènent les touristes devant les grottes.
rue avec les restaurants et tous les commerces. Et les tuk-tuk. Et encore un autre. Et on peut admirer le ciel bleu. Oh, les chanceux. Toujours les bateaux. Et là, l'entrée de la grotte. La côte vue sur un autre angle. Et de l'autre côté de Pogliano. Le bateau des gardes-côtes. Et des chapeaux. C'est chaud pour filmer, il y a du monde à passer. Petit retour en ville en musique. Des attrape-rêves. Ils sont petits. Un guide italien avec un drapeau breton. Alors, 2 heures plus tard, il est midi à peu près, le monde. Alors, petite conclusion de cette balade en ville. Franchement, j'ai adoré. Ouais, c'est top. Super sympa. Maintenant, direction la roulotte, on va les manger. Très bel endroit pour la bronzette. Franchement, l'endroit idéal. Bon, un peu trop de monde, je pense qu'en pleine saison, ça doit être terrible. Ah ouais, là. La plage. Et nous, on est garé là. Juste à côté. Franchement, là, pas belle la vie. Bon, bah, la météo, on a décidé autrement. Cet après-midi, c'est pluie. Du coup, ce sera la fin de la vidéo. Alors, comme d'habitude, si vous aimez, des pouces, et portez-vous bien, et on vous dit à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye, Kenavo.